Bonjour, bonjour, vous êtes toujours sur Radio Becquequel et à l'instant je vous parle même, la mission ministérielle est en visite de terrain. Elle va rencontrer actuellement les différentes parties prenantes, collectivités, territoires et représentants de parrains, où chacun y va de cette hypothèse pour examiner et trouver des solutions aux difficultés rencontrées du fait de la crise du Covid-19 dans le monde de l'éducation. À la demande du ministre, ma mission redoute une équation délicate, comme tout ce qui relève de l'éducation nationale, mais qu'il nous faut pourtant résoudre. On me dit que le niveau baisse, en particulier avec des élèves qui ont perdu tout contact avec le milieu scolaire. Les familles sont dans la détresse et ne savent plus comment maîtriser leurs enfants. Les moyens manquent à notre système pour faire face à la situation. La question qui se pose, c'est peut-on aujourd'hui au 21e siècle continuer à enseigner comme on enseignait à nos grands-parents, alors que tout le monde passe déjà son temps devant les écrans? Mais on fait comment? Le plus souvent, Internet tourne au ralenti et on n'a même pas l'équipement informatique qu'il faut à la maison. Mais madame, notre collectivité s'investit pourtant depuis des années auprès des familles, hein. Pourtant, nous manquons de tout, hein. Nos établissements ne sont même pas connectés correctement. Quant à la formation, Je vous écoute avec la plus grande attention. Mesdames et messieurs, dites-moi ce que nous pouvons faire pour vous aider. Il faut prendre en compte davantage la vie des familles. On ne nous écoute pas assez. Hein? Il y a qu'un fait comme ça, considérer nos pas existés. Il y a qu'un fait du temps à gauche, à droite, mais il faut y poser une question. En fait, il nous faut prendre la situation à bras le corps. Travailler ensemble, co-construire une solution adaptée à nos territoires. On ne nous donne ni les outils, ni les ressources, ni la formation qu'il faudrait pour améliorer la pédagogie. Et surtout quand il faut enseigner à distance. Enfin, nous allons toucher terre. Aujourd'hui, 3 novembre 1493, voilà 3 semaines que nous vivons sur les mers à la recherche de solutions pour notre système éducatif. Espérons que c'est une gorge de trésors. Capitaine, Jean-Claude a trouvé un endroit pour accoster. Il dit qu'il y a des indigènes qui peuvent nous aider. Bonjour, bonjour, bonjour monsieur. Nous sommes des explorateurs à la recherche de solutions pour notre système éducatif. Comment ça s'appelle ici, hein? Ici, Kanukera. Kawikira? C'est très joli. Bref, est-ce que vous avez des tablettes ici? Tablettes? Non. C'est quoi ça? J'ai trouvé. Je pense avoir la solution. Nous allons créer des territoires numériques éducatifs démonstrateurs. En fait, il suffisait d'identifier et de mobiliser les 4 leviers composant les territoires numériques éducatifs démonstrateurs. Équipement, ressources, formation, parentalité, autour des usages du numérique pour concevoir un projet ambitieux qui permet de renouveler profondément l'enseignement grâce aux usages du numérique éducatif et SPV réduire sensiblement la fracture numérique. Ça, c'est pour tenir compte du contexte et de l'aspiration. Monsieur?
Réveillez-vous. La réunion est terminée. On doit se dépêcher, sinon on va rater l'avion.